Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous en cette belle matinée. Il est 5 heures du matin à présent et je suis là pour accueillir le nouveau soleil et une nouvelle journée et faire ensemble, avec vous, plusieurs exercices et méditations qui vous aideront à vous valoriser en tant que femme. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi sur le fait que tôt le matin est le meilleur moment et le plus harmonieux pour faire attention à votre corps féminin, à vos émotions, plutôt qu'à un flux de stress, de hâte et de nervosité, parce que c'est notre santé. Et dans toutes les traditions antiques, nos ancêtres, femmes ancêtres, avaient des rituels pour éveiller leur énergie féminine. Nous savons que l'énergie féminine se manifeste à travers l'élément de l'eau. C'est pourquoi je suis là, aujourd'hui, à ce beau lac, au lieu de pouvoir. C'est le second lac magique. Et ici, je vous propose de méditer ensemble. Vous pouvez commencer chaque journée avec cette méditation. Et cette méditation vous aidera à vivre toute la journée en équilibre et harmonie avec vous-même. Alors, commençons. Vous pouvez vous asseoir avec les yeux fermés ou vous pouvez garder vos yeux ouverts et regarder ce beau lac pour méditer sur le lever de soleil et sentir une connexion avec votre utérus. Recouvrez la partie basse de votre abdomen avec vos paumes. Prenez de profondes nouvelles inspirations. Et quand vous inspirez, concentrez-vous sur l'état de plaisir. Concentrez-vous sur votre énergie féminine, votre prédestination féminine. Je vais fermer les yeux et continuer à vous guider dans cette méditation. Si vous avez de la bonne musique ou des sons de la nature, des oiseaux qui chantent, vous pouvez aussi les utiliser pour cette méditation. Le plus important est de se reconnecter, d'écouter votre énergie féminine sacrée. Nous prenons de lentes et profondes inspirations avec le bas de l'abdomen. Expirez. Sentez comme avec chaque expiration, le stress, la fatigue s'en vont. Sur votre écran intérieur, si vous avez les yeux fermés, imaginez une belle eau. Cela peut être un lac. Et sentez le calme, l'harmonie, l'équilibre. Cela peut être un réservoir d'eau, peut-être un océan ou la mer, mais essayez de sentir avec chaque inspiration que vous acceptez la bénédiction de la déesse de l'eau. Vous vous remplissez d'un état d'harmonie, de calme, de beauté intérieure, de santé. Sentez le plaisir. Profitez de chaque expiration. Mon utérus, mon énergie sexuelle est le trésor, le pouvoir créatif à l'intérieur de moi. Et ce matin, j'ai réveillé ce pouvoir sacré. Je me souviens de moi-même.
Je me sens moi-même. Je suis consciente. Si vous sentez que vous voulez chanter un mantra, c'est très bien. Ou peut-être préférez-vous rester en silence, écouter les oiseaux chanter, les sons de la nature, et observer comme vous disparaissez. Vous connectez à la nature, au monde entier autour de vous. Nous sommes un. Maintenant, vous pouvez tout sentir à l'intérieur de vous et autour de vous. En inhalant, vous laissez le monde autour de vous vous faire un cadeau. Vous inspirez de nouvelles opportunités pour cette journée. En expirant, vous êtes reconnaissante et partagez votre amour avec le monde autour de vous. Je suis une femme. Je ressens la femme en moi. Je suis bénie d'avoir hérité de cette destinée, de cette prédestination en tant que femme dans cette vie. À la fin de la méditation, focalisez votre attention sur votre cœur. Prenez une profonde inspiration dans votre cœur et en expirant, chantons le mantra divin. Om. Doucement, avec une nouvelle inspiration, nous ouvrons les yeux. Laissons cette nouvelle journée vous apporter harmonie, beauté, santé et faire en sorte que tous vos buts, tous vos objectifs se réalisent de la meilleure des façons. Soyez bénis. Namasté.